Comment on les pratique, comment je les pratique d'un point de vue opérationnel, plutôt sur le terrain, en essayant d'imaginer pour différents types de ressources, et notamment des ressources numériques, la donnée, comment la notion de commun, comment ces nouveaux modèles de gouvernance permettent de faire mieux avec moins. Comment on peut créer de la valeur sur un territoire. Comment on peut créer des services qui répondent à des vrais besoins d'un territoire en les co-créant avec les acteurs, avec les entreprises, avec les citoyens, avec les pouvoirs publics, et en essayant d'être innovant dans la façon de créer, de partager cette valeur. C'est tout ça pour moi les communs, c'est cette innovation qu'il y a, ce potentiel d'innovation dans la coproduction et le partage de la valeur créée. Alors, moi, c'est peut-être un cas un petit peu particulier, ça tombe bien. Je suis un blogueur, je contribue à Wikipédia. Et donc, ça me permet de diffuser des connaissances que j'obtiens dans la lecture d'articles scientifiques et de les diffuser au plus grand nombre. Je suis professeure, alors je pratique les communs comme un professeur, c'est-à-dire que d'une part, je partage et je multiplie puisque je reçois en retour, et puis aussi, je forme les étudiants à des pratiques de dépôt open source de leur production, open source, open access. On a un open lab ici et on travaille sur le développement de GitHub. On dépose toutes les innovations dans GitHub. On travaille en code ouvert. Nous avons créé une association qui s'appelle Libre Théâtre, qui a pour but de mettre à disposition les œuvres théâtrales du domaine public en français, de mettre à disposition non seulement les textes, mais aussi toutes les ressources autour des textes, que ce soit des mises en scène, des décors, des affiches, des photos de mise en scène du domaine public ou qui ont été libérées de droit. Et donc de les mettre à disposition sur un portail qui s'appelle libretheatre.fr. Nous, on pratique les communs au sein du collectif Savoir Commun en ayant des règles de fonctionnement qui font qu'on a essayé de sortir d'une gouvernance classique associative pyramidale avec un président, un bureau, un conseil d'administration, et en décrétant par exemple qu'on avait une forme d'organisation horizontale dans laquelle on n'a pas de chef, on n'a pas de personne qui va finalement prendre des décisions à la place d'eux, et on essaye de valoriser l'action au maximum à partir du moment où on est dans un cadre qu'on a défini au préalable ensemble, en commun, qui est le collectif et le manifeste qui est relié à notre collectif. Donc nous, finalement, on essaye de construire un commun en s'intéressant au commun par une forme d'organisation horizontale qui nous est propre. Eh bien, pour moi, je pratique au quotidien le commun en mettant à disposition gratuitement de l'information qui est une veille internationale sur le renouvellement, sur le développement plus particulièrement d'un mixte énergétique qui intègre les énergies renouvelables de la mer. Alors nous, on pratique les communs, enfin je pratique les communs plus spécifiquement en travaillant sur les problématiques d'open data et de mise à disposition des données pour tous. Par rapport au commun, je suis plutôt chercheuse, donc je fais des recherches par rapport au commun et du point de vue théorique, donc les différents perspectives historiques, sociales et juridiques. Et à la fois, j'ai fait des études sur des cas pratiques, donc par exemple des cas de jardins partagés. J'ai aussi un engagement dans le contexte d'un plaidoyer au niveau européen. Pour les communs, pour les biens communs. Donc, je fais partie d'un petit groupe qui a fait du lobbying, du plaidoyer pour créer un intergroupe qui travaille sur les biens communs à l'intérieur du Parlement européen. Dans le quotidien, on pratique beaucoup le numérique en général. Et à l'intérieur des communs, moi, peut-être l'activité qui me prend le plus de temps, c'est la contribution aux communs, principalement à travers des productions culturelles auxquelles je donne un statut de bien commun. Et puis, secondairement, à travers les logiciels libres. Moi, ce qui m'intéresse dans les communs, c'est Internet en tant que bien commun, parce que ça fait des décennies que je travaille sur le sujet d'Internet et sur sa gouvernance. Et donc, Internet est un commun, en ce sens que c'est un espace avec des utilisateurs, des milliards d'internautes qui ont des règles de fonctionnement,
Et ces règles, ça va être les protocoles, les formats qui permettent aux ordinateurs de se connecter les uns aux autres pour pouvoir échanger des données. Et derrière, donc, des utilisateurs qui utilisent ces ordinateurs qui vont pouvoir dialoguer entre eux grâce aux règles communes édictées. Alors, je fais partie du conseil d'administration de l'APRIL, qui est une association de promotion et de défense de l'informatique libre